Jonathan, bonjour. Aujourd'hui, des fêtes d'Amoire face à Fémonville. On peut dire qu'Amoire a eu une très difficile première mi-temps. Il y a eu trois changements à la mi-temps. C'était peut-être un peu tard pour faire quelque chose. Toi, qui es au bord de terrain depuis quelques semaines, qu'est-ce que tu as pensé du match? Bah, dans l'ensemble, un match moyen, très moyen même. Je pense que les semaines précédentes, on a fait ce qu'il fallait faire au niveau des résultats, donc on s'est mis à l'abri. Maintenant, on joue sans pression. Et il y a peut-être un peu de relâchement, c'est peut-être ça qui fait que aujourd'hui, on n'a pas vu du beau football du côté d'Amoire, en tout cas. Et voilà, ça paye cash là contre des équipes de grande ville où il y a du potentiel, des très bons joueurs, bah, directement la sanction est là, quoi. Il y a eu trois matchs donc en 8 jours. Est-ce que ça ne joue pas un peu aussi sur le physique? Oui, certainement, parce qu'on a l'infirmerie qui se remplit petit à petit, donc ça permet au noyau de tourner également. Il y a des joueurs qui font leur rentrée. Aujourd'hui, on a même vu un espoir sur le terrain, il a fait une très bonne rentrée à la mi-temps, donc oui, ça joue certainement, mais il faut faire avec, quoi. En fait, en bord de terrain, il y a tout le monde qui disait qu'il faudrait presque 10 gilles sur le terrain qui se bat tout le temps. Ben oui, forcément, des joueurs à caractère différent. Gilles qui a un gros volume de jeu, une énorme envie, et d'autres qui sont plus techniciens, qui préfèrent garder la balle, mais bon, voilà, c'est quand le collectif n'y est pas, bah, ça paye cash. Hein. Ta blessure, elle en est où? Bah, pour le moment, c'est toujours un point d'interrogation puisque j'ai recommencé à 2 reprises et ça n'a pas été. Donc, je prends mon mal en patience. Donc, toujours pas aligné face à Seurat? Je pense pas. Je préfère être serein et c'est le cas de le dire, mais je préfère prendre mon temps et vraiment être établi avant de reprendre des risques inutiles et reprolonger bêtement. Alors, en tant que capitaine, que dire après un match comme ça? Je voyais, il n'y avait pas un mot dans le vestiaire, il était fort abattu. Oui, bah, je veux dire, c'est clair. Bon, moi, je vois ça de l'extérieur. Les joueurs sont abattus, mais je pense qu'au classement, on est rassuré. Donc, le reste de la saison va être tranquille pour nous. Mais il faut pas se relâcher parce qu'on peut très bien se retrouver en bas de classement assez rapidement. Donc, la situation n'est pas catastrophique, donc il ne faut pas non plus être abattu, il faut relever la tête et reprendre match par match pour gagner le plus de points possible jusqu'à la fin de la saison. Et bah, c'est bientôt, on espère en tout cas. Merci.